dark side. I wanna be your left hand man. Le calme vient enfin de s'instaurer dans la maison. Quelle nuit de merde. Quelle nuit de merde. Genre, Amanda s'est réveillée à chaque heure. Elle est full chialeuse aujourd'hui parce qu'elle est quand même full fatiguée. Là, je viens de la coucher dans le mamarou. Et j'ai la caméra genre sur elle. Puis en littéralement, même pas une minute, elle était endormie. Fait qu'elle était vraiment fatiguée de sa nuit. Là, les enfants sont un petit peu calmés. Les gars, ils couraient partout, mais genre, ils criaient. Puis je suis calmée. Fait que c'est ça. Mais là, ils sont calmés. Leur cousine, elle s'en vient. En fait, leurs deux cousines. Mais ma soeur, elle a trois filles. Une qui est rendue, genre, jeune adulte. L'autre qui est adolescente. Et l'autre qui est la même âge que ma mère, genre deux mois de moins. Fait que là, elle vient avec ses deux plus jeunes. Je me suis lissé les cheveux que je vous montrerai tantôt mon nouveau frère que j'ai. Je capote dessus, là, il rend les cheveux tellement doux. Puis justement, je vais le faire tirer début décembre, je pense. En tout cas, je vais faire un concours. Fait que, oh mon dieu, je capote, sérieux. Mais là, ici, ils sont comme... Enfin, j'avais une couette, là. En tout cas, mais ils sont hyper doux, je capote. Et j'ai mis ma robe rose maternité, celle-là. Fait que ma soeur s'en vient, on va dîner. J'ai dû montrer. Je suis mettue hier. Ouais. J'ai fait un gâteau pour la fête à ma nièce. Et après, ce soir, c'est le gender reveal de la soeur Anthony, son dernier bébé. Supposé être son dernier. Supposé être son dernier. Parce que si vous me savez, depuis un bout, vous savez, quand elle avait eu son premier, elle disait plus jamais d'autres bébés. Mais là, enfin, quand il y a eu le deuxième, puis là, il y a eu le troisième. Mais là, c'est censé être son dernier. Fait que, on a hâte de voir si c'est un gars ou une fille. Elle va faire un gender reveal avec, genre, le gâteau qu'elle a fait faire à la pâtissière. Moi, je gage que c'est une fille. Je sais pas pourquoi, là. Ben, pas je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment, genre, convaincue que c'est une fille. J'ai hâte de voir. Fait que là, je vais finir mon café. Il est 9h49. Ma soeur, elle s'en vient. Mais tu sais, moi, j'habite sur la rive nord. Elle habite sur la rive sud. Fait que, tu sais. C'est le bonheur là. Fait que je vais nettoyer la table, passer la balayeuse, parce que je l'ai pas faite encore. Anthony, il vient, ben, il a lavé les trois enfants, puis il vient d'aller en bas faire une game. c'est ça. Moi, je vais ramasser ça. Il a préparé, il a fait mariner de la viande tantôt. Fait que ça va être bon. Il va faire du barbecue. Fait que c'est ça. Oh, enfin, le calme pour vrai là. Enfin. Bisous! La vlog pour mettre en ligne. Regarde, c'est Spider-Man! Ok, un cadeau. C'est quoi? C'est Stacy! Merci! Merci! Bonne fête, Liliana! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Liliana! Yeah! Vas-y, ouais, ça! Enfant! Ouais! Ben oui, elle mange les bonbons, Liliana, je pense qu'elle aime ça. C'est une bonne idée, les bonbons. So cry, I don't wanna lose that somebody. I don't wanna lose somebody. Somebody.
3h50 et on s'en va. On va bien. On s'en va chez Cynthia pour le gender reveal. Fait que c'est vraiment une belle journée. Figurez le visage dans l'auto. Ben oui, elle mange à côté de vous. On a emporté son bumbo. Oh! Oh! C'est correct. Mange du pain clocher. Des tacos de porc avec la salade de macaroni. Pain clocher. Fermez. Si c'est une fille dans le bedon, ça va être rose dedans. Puis si c'est un gars, ça va être bleu. Ma vraie? Où ma attention, Ethan. Je veux une photo du gâteau, j'avais même pas pris. Touche pas, c'est sympa. Attends, touche pas, touche pas. Je vais juste slap le gâteau. Ah, je sais, j'ai vu la couleur. Non. C'est un gars. Moi, je pense un gars. Non, c'est un fille. Faut pas que les enfants gâchent. Avec les flèches, après ça, vous faites sortir la couleur d'en dessous. Hein. C'est où le couleur? Attends, ah, c'est rose, c'est rose! C'est rose! Je savais! C'est une fille! Tu vois, une petite, c'est juste le dessus. My God. C'est une fille! La première fille! Yo, t'es bon, regardez cet écran! Là, il a spin avec moi, bro! Yeah! J'ai deviné, man, dès le début! Pablo et Dan, vous allez avoir une petite sœur! Vous allez avoir une petite sœur! Tu réalises quoi? Félicitations, Mano! Tu réalises que tu vas avoir une fille? Non! C'est pas mal! Bon, j'ai l'air de filmer! Ça fait une quoi dans l'auto? Comme vous avez vu, c'était le gender reveal et on a appris que Cynthia attendait une fille. Puis c'est ça aussi, c'était ça notre prédiction. Selon Anthony, les petites questions qu'il avait posées à Cynthia, il était sûr que c'était une fille. Puis j'étais sûre moi aussi, depuis ce qu'elle avait dit. Fait que c'est ça, c'est vraiment drôle parce que nous on a eu deux gars après une fille, puis elle aussi. Fait que c'est ça, sa date prévue d'accouchement, c'est le 21 mars, mais comme c'est une césarienne, ça va être avant le 21 mars. Fait que c'est vraiment le fun, c'est excitant. Une petite fille, avant d'avoir voir une autre cousine, c'est ça, parce que sa cousine Liliana, que vous avez vu ce matin, puis sa cousine. Du bord Anthony aussi, c'est vraiment le fun. Elle va s'appeler Emma ou Emma Sophia, je sais pas, ils savent pas son... En tout cas, je pense que c'est juste Emma, mais c'est ça, comme ses fils là, ils ont tous des noms composés, genre il y a Pablo Mathias, Ethan Gabriel, puis là je pense que c'est Emma Sophia, mais en fait c'est parce qu'ils ont choisi chacun un nom qui est genre, fait que ça donne le nom, fait que c'est ça. Mais je pense que c'est juste Emma qui ont décidé en fin de compte. C'est vraiment un beau nom. Fait que c'est ça. Voilà. Puis eux, c'est vraiment genre, ça complète leur famille. Fait que c'est ça. Là, je m'en vais me démaquiller. Et pas me laver la tête. Mes cheveux, on dirait qu'ils sont genre parfaitement propres là encore. J'aime vraiment mon nouveau frère plat. D'ailleurs, je vais faire un concours mardi pour le gagner. J'ai l'impression que mes cheveux ils restent genre full doux. C'est le... Je me rappelle même pas le nom. C'est le... Aventi Free Play.
comme ça ici. Ça fait genre au moins 7-8 ans, genre 7-8 ans que j'avais le même paire de nuits. Puis ça, je trouve que vraiment bien en tout cas. C'est ça, ok. Ouais, je vais le maquiller. Il est 11h, on vient d'arriver. Fait que c'est ça. Demain, ouais, demain je vais vlogger. Fait que à demain.